Bonjour à tous, cette vidéo est la dernière de l'année scolaire, fin juin. Je vais faire une pause de 2 mois, donc juillet-août, pour me reposer, pour profiter de quelques vacances. Je vous remercie encore pour votre soutien sur la trentaine de vidéos qui est sortie depuis l'ouverture de la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Aussi bien les commentaires que les vues et ce que j'entends dans mon entourage. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer une super nouvelle. Je vais déménager et je vais enfin avoir un jardin. Donc ça va vraiment me changer par rapport au balcon, la façon de cultiver. Je vais pouvoir mettre mes étagères dans le jardin, travailler dans le jardin, et il y aura plus d'espace pour ça. Peut-être qu'au niveau des vidéos, je vais en faire à l'extérieur, je sais pas, je vais commencer à regarder ça. Pour le moment, j'aurai beaucoup de travail, quelques travaux, etc. La mise en place, il va falloir que je me réhabitue à cultiver dans un nouvel espace, que les arbres s'y habituent aussi, que je gère bien l'exposition par rapport au jardin. Ce sera un thème que je vais préparer cet été pour la rentrée. D'ailleurs, pour la rentrée, je vais sûrement changer la façon de sortir les vidéos. Vous étiez habitué à avoir une vidéo par semaine tous les jeudis matin à 11h. C'est des vidéos qui m'ont pris beaucoup de temps personnellement. Et pour l'année prochaine, j'aimerais bien consacrer du temps à autre chose. Et je pense que les vidéos sortiront moins régulièrement. Peut-être une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, on verra. Ça dépendra du sujet. Donc, de toute manière, si vous êtes abonné, vous serez prévenu par mail de la sortie d'une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas. Je vais juste diminuer la régularité et faire des vidéos quand j'en ai besoin. C'est-à-dire que quand je vais travailler à un arbre, je vais en profiter pour faire une vidéo. Si j'ai un thème qui me vient et que j'aimerais vous faire partager, je vais faire une vidéo. Mon travail, ma vie personnelle et le fait maintenant d'avoir une maison à entretenir va me donner beaucoup moins de temps et je ne pourrai plus faire les vidéos par semaine. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances d'été, profitez bien. N'oubliez pas d'arroser vos arbres, c'est la période où il peut y avoir le plus de pertes. Ils ont besoin de vous cet été. Là, depuis début juin, j'arrose 2 fois par jour, le matin et le soir. Pour ma part, mes arbres vont subir un grand changement avec l'emménagement. Donc j'espère que tout se passera bien. Continuez à faire vos expériences, continuez à cultiver. Regardez les trentaines de vidéos qui sont déjà en ligne. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos et faites du bonsaï.